Bonjour à tous, ça et les ça vous salue, on se retrouve pour l'épisode 19 de notre Let's Play consacré à FTB sur le parc Direwolf, 20 modifié légèrement par mes soins. D'ailleurs, à ce propos, je saute tout de suite sur l'occasion pour vous dire que je vais pas tarder à sortir la vidéo d'explication si vous voulez modifier le pack comme moi je l'ai fait. Comme vous pouvez le voir, le grand portail fonctionne encore, alors un peu bizarrement, c'est que vous mettez un petit dans le grand et ça fonctionne en grand. N'essayons pas de comprendre. C'est le portail que je vous ai montré la dernière fois qui mène au vaisseau. On va commencer par faire un petit tour des différentes bases assez rapidement parce que. Ben non, vous voyez, on va même pas aller faire un tour. On va directement aller au vaisseau, puis on va se lancer dans des crafts. On fera un tour à l'épisode prochain. Alors pour répondre aux commentaires d'un des abonnés, ça y est, on a réussi à convaincre Marion, elle a un skin. Donc là, elle n'est pas connectée. Là, sur le serveur, il n'y a que Traxos, Pralux. Alors Pralux, c'est un vieux, enfin c'est le frère d'un pote à moi, Buzz, qui est arrivé aussi sur le serveur, qui était en vacances, donc ils sont arrivés en retard. Il y a FV et l'assassineur. Je vais leur dire de dire bonjour. En majuscule. Voilà. Donc vous voyez ici, ça a un petit peu évolué, je pense, depuis la dernière fois. C'est que j'ai mis en place des portails, Nexus, Homme, c'est l'ancienne base en bas, l'ancienne salle des coffres qui maintenant est vide. Les jardins, c'est là où j'avais fait mes plantations. Et la chest area, bah c'est on va y aller tout de suite. Youp. C'est là où il y a les coffres. Donc ce sera certainement l'objet du prochain épisode. J'ai fait des tests, j'ai testé des choses sur les tris. Donc là, vous avez une part de tri par le biais de Red Power. Et là, le tri par Buildcraft. Je vous réserve la surprise, mais moi, j'ai pris ma décision. Je sais par lequel je vais passer et pourquoi. Et bah, je vous l'expliquerai lors de l'épisode où on s'occupera de tout ça. À mon avis, ce sera le prochain ou le suivant. Voilà. Aujourd'hui, on va s'occuper des fermes. Donc on va remonter là-haut. Hop, il y a un portail ici. Alors, pour s'occuper des fermes, on a besoin de quelques crafts. Alors, vous vous rappelez du Thermionic Fabricator? Eh bien, il est là. Et on l'utilise toujours. On va démarrer la petite machine. Donc l'important, c'est bien de mettre du verre dedans de manière à l'alimenter. Donc là, il commence à s'alimenter doucement. Et juste à côté, vous avez le Carpenter qui nous permet, lui, de construire les circuits imprimés. Je vais aussi le mettre en route. Donc lui, il devrait se mettre assez vite à nous crafter des choses. Voilà. Donc il nous faut 8 circuits imprimés, puisque je vais construire de quoi faire 4 fermes. Voilà le premier. Donc vous voyez, il faut de l'eau. Alors comment j'ai fait pour l'eau? J'ai simplement créé c'est délirant. Un aqueous accumulator. Alors je vous montre ça. Un aquaeus. Non, un aqueous. Aqueous accumulator. J'ai volé tout à l'heure. Donc voilà. Comme vous le voyez, c'est assez simple à crafter. Un bucket, de glace, du tin. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Le machine frame, c'est très simple. C'est 4 fers sur les côtés et 4 verres au milieu avec de l'or. Le pneumatique, c'est aussi très simple. Voilà. Donc une fois que vous avez ce bloc-là, vous lui mettez un bloc d'eau de chaque côté. Il n'a pas besoin d'être alimenté. Donc moi, c'est simplement que les câbles retiennent l'eau. Vous mettez un tuyau, il n'y a même pas besoin de tuyau en bois. Vous mettez un tuyau qui relie à la machine qui a besoin d'eau et automatiquement, il va générer de l'eau. Et il le génère plutôt très très vite. Donc voilà, moi ça m'a permis à ce que le Carpenter soit toujours alimenté en eau. Et si je les retire pas au fur et à mesure, je les aurai pas. Ils se stackent pas. Voilà, donc là il m'en faut 12. Bon, on va en faire 16, comme ça on sera tranquille. Et on va faire la même chose avec des diamants.
Donc là, ça sert simplement à vous créer les golden électron tubes et les diamantines électron tubes. 3. Et voilà. On peut éteindre la machine, on a tout ce qu'il faut. Des gold et des diamantines. Je récupère uniquement la redstone. Un, deux, trois, quatre. On a la moitié de ce qu'il nous faut. 5. Donc vous voyez, c'est continuellement réalimenté en eau, ce qui est plutôt pas mal. 6. En fait, il nous en faut que 7 parce que j'en ai déjà un en bas. Et voilà le septième. On retourne dans la chest area. Parce que j'ai pour une fois préparé les crafts. Ça doit être cette table-là. Gagné! Donc ici, ouais, ben c'est ça, c'était 4. Ouais, c'est pas grave. Ici, vous mettez des small circuits en bas, des sturdy casings. Alors ça, je vous rappelle le craft si vous ne vous en souvenez plus, mais c'est assez simple. C'est 8 lingots de bronze. Lingots de bronze qui sont composés de 3 lingots de copper et un lingot de tin. Les 4, enfin 3 fois des électrons, des golden électrons tubes, voilà, que je viens de crafter, donc vous le savez, et du verre tout le tour. Ça nous donne des arboretums. Donc j'en ai fait 4. Ici à côté, je vous ai tout préparé avec la diamantine. 1, 2, 3, 4. Voilà, à la limite, j'ai même pas à faire ça. Et là, ce sont des loggers. C'est ce qui va récolter automatiquement. Tiens, il manque quelque chose. Oui, pourquoi j'ai mis ça là? Voilà. Bah, décidément, ouais, c'est un bug. À chaque fois, il me remet une ampoule en bas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà qui est fait. Donc, on a 4 loggers, 4 arboretums. Pour cultiver le bois, les arbres, il nous faut de l'humus. Alors, l'humus se crave comment? Avec de l'apatite. Vous commencez par prendre de l'apatite. Et vous mettez du sable au-dessus et en dessous, ce qui vous crée du fertiliseur. Bon, j'ai pas besoin d'en créer beaucoup puisque j'en avais déjà pas mal d'avance. Ce fertiliseur, vous l'entourez de terre, ce qui vous permet de créer de l'humus. Cet humus va permettre de fertiliser votre champ en fait. 3, 4, on va faire deux fermes au départ. Voilà. Maintenant, il nous faudrait des pousses d'arbres. Les pousses d'arbres, logiquement, celles que j'ai d'avance, sont dans les jardins. Les jardins, ouh. Voilà. Vous voyez, j'ai commencé ici à creuser. On va certainement. Je vais commencer l'élevage parce qu'on manque de cuir. Voilà, basiquement. Bah oui, bah si je prends pas. J'ai pas mis mon. Attendez, hop. Voilà, j'ai pas mis mon électrique jackpack. Alors, il y a déjà une ferme en place. C'est une ferme à Rubberwood. Mais on va la mettre en place ensemble. On va en mettre une autre en place ensemble tout de suite. Donc, pour une ferme, c'est assez simple. Il vous faut un carré de 13 par 13. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Et un qui font 13. Donc je vais nettoyer la zone avec vous. Alors sur le serveur, qu'est-ce qui s'est passé? Ben on a refait le réveillon du nouvel an parce que je crois qu'on s'est pas vu depuis. Donc bonne année à vous. Ben, si on s'est vu depuis, suis-je bête? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et un qui font 13. Ça lague un peu là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et un qui font 13.
Ah, bah il faut que je remette mes batteries. Voilà. Et un qui font 13. Donc logiquement, si j'ai pas mal compté, on va retomber sur nos pieds de l'autre côté. Alors une chose importante à savoir, c'est qu'il faut que vous ayez pas mal de recul. Vous allez le voir, la ferme va mettre assez longtemps à démarrer. Mais je vais le faire volontairement comme ça. Voilà, on retrouve le milieu. Je vais finir de creuser l'espace quand même. Ça va assez vite. Bon, je vous épargne le minage, alors faut que maintenant, avec les quarries, ça va beaucoup plus vite. Oui, donc la nouvelle année, on a réaccueilli Buzz et Pralux, qui sont des anciens joueurs sur le serveur, qui étaient sur le serveur avant même que je commence à faire des vidéos, mais qui, comme ils étaient partis en vacances, n'étaient pas revenus avant. Donc bah, ils commencent à s'installer, on aura l'occasion d'aller les voir. Sinon, ben, je vous remercie parce que beaucoup de vues sur les vidéos, beaucoup de commentaires, beaucoup de. Apparemment, le vaisseau vous plaît beaucoup. On le voit bien d'ici d'ailleurs. On essaye gentiment d'avancer. Alors, certains sur le serveur ont beaucoup plus avancé que moi. Je pense à Traxos, à FV, à XGamer. Tout simplement parce que moi je vous attends. Donc, enfin, je vous attends, c'est une façon de parler. Je ne commence pas les crafts sans vous. Donc je prends du retard. Enfin, du retard. Y a pas une course. Donc on est plutôt tranquille. Mais voilà, ils sont déjà à la Gravis Chestplate. Ils ont déjà les Matter Fabricator. Ils sont passés sur des panneaux solaires encore plus avancés. Mais moi, je veux vraiment vous montrer toutes les étapes. Donc on va y aller petit à petit. Mais on va y arriver. Ce qui vous permettra de vous référer à tel ou tel épisode en fonction de là où vous en êtes. Bon, sachant qu'on est plutôt déjà pas mal avancé, que moi, là, on m'a prêté un nouveau pantalon, le Quantum, ce qui me permet de courir beaucoup plus vite, et dont je vous montrerai le craft aussi. Je vais reboucher ici, de manière à ce que ce soit cohérent. Donc, on a donc fait un carré de 13 par 13. Je vais reprendre mon arboretum. Un de mes arboretums. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. Je mets mon arboretum en plein milieu. À côté de ça, je vais mettre un logger. Voilà. Bien entendu, tout ça, il faut l'alimenter en électricité. Comme on n'a pas trop de problèmes d'électricité, 1, 2, je crois que j'ai pris. Des fils gagnés. On va venir sur. Wow. On va venir se resservir ici en électricité. On va faire passer ça discrètement par en dessous. Oh bah tiens, on va cacher complètement les fils. Normalement, on peut. L'alimentation devrait fonctionner. 1, 2, hop, hop. Oh! Alors, comment fonctionne l'intérieur d'un arboretum? Bah déjà, je vais mettre des leviers aussi, parce que ça peut servir. Ça fonctionne. Donc à l'intérieur d'un arboretum, vous commencez à mettre par mettre de l'humus. Ici dans la case de sable, vous ne mettez rien, puisque c'est le en détruisant les arbres, en fait, le logger va générer lui-même du sable qui va être stocké ici. On va aller chercher les pousses. Tiens, un gentil creeper qui nous rend visite. Bonjour, Mr. Creeper. How are you? Avez-vous passé de bonnes fêtes de fin d'année? Bah, c'était les dernières. Ah, gardez votre gunpowder. J'y pense pendant que je viens d'en ramasser deux. Gardez-la, elle va vous être très 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 utile par la suite.
et assez rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? De l'oak sapling. Oui, bah, c'est des arbres normaux, ça ira très bien. Alors, tous les arbres là, ce sont des arbres des différents biomes. Là, j'ai encore du rubber tree ici. Alors, je poserai qu'une ferme là aujourd'hui et vous en verrez certainement une deuxième là-bas en face. Et ensuite d'autres types de fermes qui eux aussi nécessitent. Alors voilà, je vous rajoute les saplings. Pas besoin d'en avoir 4 stacks de 64 au départ, puisque au fur et à mesure que votre ferme va fonctionner, ça va automatiquement générer de nouveaux saplings. Je bouche le trou, histoire de faire plus propre. Alors ici, pourquoi? Vous me dites pourquoi ça démarre pas? Alors ça ne démarre pas pour une bonne et simple raison, c'est qu'il lui faut de l'espace pour fonctionner. Il est là. Et cet espace, il doit être de mémoire de 3 cases en plus des 13 par 13. Donc 15 par 15. Donc il faut vraiment que vous ayez une zone de 15 par 15 dégagée. Vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. Là, je le fais moi-même pour accélérer un peu le mouvement. Que vous voyez la ferme se mettre en place. Deux. Et un qui font 3. Mais sinon, l'arboretum va les enlever de lui-même. C'est très long, donc c'est pour ça que je le fais un peu moi-même là. Mais sinon, ça se fait complètement automatiquement. Donc si vous avez le temps, vous mettez en place votre ferme et puis vous laissez tourner. Cette ferme va donc générer des saplings, du bois. Le bois, on va en avoir une utilisation assez spécifique que je vous montrerai certainement dans l'épisode suivant. Parce que je ne vais pas me contenter, parce que le bois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on l'utilise de moins en moins, voire très peu. Donc je vais effectivement garder un stock, parce que c'est toujours utile. Mais où est-il le temps où nous faisions des maisons en bois? Donc on va l'utiliser pour le transformer en autre chose que je vous montrerai donc plus tard. Et on va essayer d'automatiser tout ça. Ce que j'ai d'ailleurs déjà fait sur la ferme à rubber. Excusez-moi, c'est un peu long, mais il faut bien que ça se fasse. Tiens, on va faire une découverte. 1, 2, 3. Je ne savais pas qu'il y avait un lac ici en dessous. Bon, c'est pas comme si on en avait besoin, mais bon. Tiens, bah, je vais profiter que mon inventaire est complètement plein là, de cochonneries. On va se faire un petit épée à la salle des coffres. C'est pas celui-là, ça c'est le monde de minage. Where is mon livre salle des coffres? Bah, ah, il est là. Je vais garder mes bouquins. Voilà. On se retépée à la salle des coffres. Et on va aller. Alors ne prêtez pas attention à tout ce que vous verrez. Parce qu'il y a une partie de. C'est long à charger. Là, derrière, ce sont mon triage automatique et ma. Mais je vous expliquerai ça, tout ça lors de notre épisode. On va aller là. Vous vous rappelez que je vous ai montré comment on craftait un recycleur? Eh bien, un recycleur, basiquement, tout ce dont vous n'avez pas besoin, vous le mettez dedans. Et vous avez une chance, alors il y a des pourcentages en fonction des items, que ça vous produise du scrap. Alors vous ne savez pas pour l'instant à quoi sert le scrap, mais il vous sera très utile par la suite. Il vous servira entre autres pour le matter fabricator, ou mass fabricator, d'ailleurs je sais plus lequel on craft ici sur le serveur, pour fabriquer du UU matter. C'est un levier qui vous permettra d'accélérer. Je bois une goutte de café à votre santé. On va y en mettre ça.
assez vite. Allez, plus vite, plus vite. Elle est un peu mou. Hein. Voilà. Ça y est, comme ça, il y a un stack d'avance. Bon, là, on va essayer d'attendre quand même qu'il y en ait un qui se crée. Donc, vous voyez, les chances sont pas énormes. Hein. Donc, faut vous y prendre. Voilà, on vient d'en créer un. Donc à terme, plutôt que d'envoyer dans un void tout ce que vous n'utilisez pas, il sera plus légitime de l'envoyer dans un recycleur. Je vais ranger le reste. Il ne jette rien. On a 67 stacks, ça commence à aller. On va ranger la gunpowder aussi, parce que comme je vous l'ai dit, c'est très utile. Alors mon objectif, quand j'ai organisé, comme je commence à organiser le rangement, c'est en termes de tri en tous les cas. Je sais pas si j'ai quelque chose que je peux trier là. Non, parce que c'est pas encore paramétré pour ça. Mon objectif, c'est vraiment de mettre des coffres spécifiques. Je veux avoir un coffre en fait que je peux mettre dans toutes les pièces, donc un coffre de laine dans l'occurrence, et qui va trier automatiquement tous les objets et les répartir dans les coffres. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Par contre, ce que je vais vous montrer tout de suite, pendant que la nouvelle ferme est en marche, c'est l'automatisation que j'ai mise en place. Donc vous voyez ici, c'est sur la ferme à rubber là, qui est déjà en place. Vous voyez qu'ici j'ai mis un Ender Chest, que j'ai nommé différemment d'ailleurs, lui il est bleu. Il est pompé directement sur un centrifuge extractor, qui lui-même est relié au barrel. Donc comme les barrels ne s'alimentent que par au-dessus, voilà, mon rubber est automatiquement transformé en... Enfin, bon, ma sticky résine, enfin, mes rubber tree saplings, non, mes rubber tree logs, voilà, je vais y arriver, sont automatiquement transformés en rubber. Voilà. On va retourner sur les fermes. Voyez que je cours quand même assez vite avec ce pantalon. Bon, comme ici, il y a des boss partout, c'est un peu compliqué. Hop. J'ai encore enlevé mon... Ouais, c'est pas grave, on va y aller tranquillement. Voilà. Est-ce que la ferme a continué à s'installer? Voilà, bah elle s'est installée toute seule. Bah, vous n'aurez rien vu. Mais vous voyez qu'elle a continué à creuser, en fait, sur les côtés. Et qu'elle continue. Voilà. Vous voyez ici. Bon, on va attendre qu'elle le fasse. Non, bah en fait non. Elle a décidé de... Donc c'est moi qui vais le faire moi-même. Elle a décidé qu'il fallait moins d'espace. Mais moi je vais le faire quand même. Par souci de tranquillité pour que mes arbres poussent tranquillement. Non, bah ça avait pas commencé à pousser, donc c'est logique. Donc vous voyez que quand elle découvre qu'il y a un arbre, elle transforme l'humus en sable. Elle ramasse tout le bois. Donc tout le bois sort d'ici et s'en va dans ce coffre-là qui est le coffre que vous avez vu de l'autre côté dans le vaisseau. Donc il est TP directement. Là ici j'ai mis un simple tuyau entre guillemets de stone qui va venir remplir au fur et à mesure mes saplings. Pas de mal, je vais le remplir aussi là. Donc la seule chose qui n'est pour l'instant pas automatisée, c'est l'humus. Il faut que j'aille en remettre régulièrement. Et ici, je récupère les saplings. Voilà, je fais du remplissage. On va repasser. Tiens, je vais repasser à la salle des coffres en vitesse. Il me faut des tuyaux. Voilà, 6, ça suffit. Il me faut... Pour l'instant, un coffre, je dois en avoir un en rab. Non, j'en ai pas un en rab. Il y a quelque chose dans celui-là. Non, il est vide. On va le récupérer. J'ai rien oublié en route. J'ai rien oublié en route. On y retourne. Vous voyez quand même, c'est magique avec Mistcraft, c'est qu'on va
très très vite pour se déplacer. Ah, vivement la gravity chestplate parce que je vous assure que de sauter comme ça, j'ai l'impression d'être un kangourou raté. Donc ici, on va faire de la même manière, c'est-à-dire qu'on va relier le dessus de notre arboretum. Bah, vous voyez qu'il a déjà utilisé pas mal de d'humus pour créer la première zone. Donc le dessus de notre arboretum au-dessus du logger. Voilà, c'est fait. Donc là, automatiquement, bon d'accord, ça n'a pas fonctionné, mais ça va fonctionner pour la suite. Pourquoi me l'a-t-il... Ah oui, parce que là, ce sont des rubber tree saplings. En fait, il aspire ceux qui débordent et qui viennent sur sa zone. Ici, on va rajouter un tuyau. Et on va mettre un coffre. Et on va attendre qu'un arbre pousse. Vous savez ce qu'on va faire? On va exceptionnellement cheater. On va se créer un de bonne mille. Option. Et on va faire pousser un arbre à l'avance. Ah oui, on ne peut plus. On ne peut plus faire pousser des arbres. Oui, puisque maintenant ils sont générés de manière différente. Ben voilà, on vire le cheat. J'attends que ça fonctionne quand même un petit peu pour que vous voyez le coffre se remplir. Bah là, vous allez le voir d'ailleurs. Vous voyez, il est en train de ramasser du bois. Wow, j'ai eu un lag. Vous allez normalement voir apparaître du bois ici, qui va disparaître aussi vite. Voilà, vous voyez, il est apparu, il a disparu. Donc, il ramasse le bois, il disparaît puisqu'il va là-haut dans le vaisseau où il est traité automatiquement. On va faire pareil ici, je vais pas le faire là maintenant, mais reste à attendre qu'un arbre pousse. Si un arbre se décide à pousser, ce serait bien. On va mettre des petits. Est-ce que j'ai des torches sur moi? Oui. On va mettre des torches ici. Parce que c'est des. C'est très sombre. Voilà, c'est tout propre. Bon bah écoutez, ça veut pas pousser. Pourtant j'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à attendre. Vous voyez que j'ai l'air d'un kangourou raté. S'il te plaît, ferme, donne-moi un arbre. Alors je réfléchis toujours sur le Nexus. J'ai une idée. Je vais certainement d'ailleurs reprendre en partie une idée qui m'a été donnée dans un des commentaires. Je vous le dirai pas, bien entendu. Bah non, sinon c'est pas drôle. Mais j'ai une idée qui a plu à Landrael. D'ailleurs, Landrael n'est pas là puisqu'il est retourné chez sa maman. Ah, enfin, vous voyez, il suffit que je dise ça. Donc il a moins l'occasion de jouer. Mais vous le reverrez bien entendu dans les épisodes divers et variés. Il continue à venir sur le serveur. Et puis bah, il est chez moi assez régulièrement. Donc vous voyez, le bois commence à s'accumuler dans le coffre en diamant. Pourvu que ça dure. Mais il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. Donc là, il a généré un sable. Voilà, que je vais récupérer et je vais recharger en humus. Donc moi je récupère, bah ça vous fait, au fur et à mesure je vais automatiser pour récupérer automatiquement le sable. Je vais automatiser pour récupérer automatiquement. Merci la répétition. Il faut que j'éclaire parce que c'est vraiment pas net. Et on va essayer d'automatiser au maximum tout ça. Parce que comme je vous l'ai dit dès le premier épisode, je suis très feignant. Voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode, puisque tout compte fait, c'est déjà pas mal. On va se retrouver très vite, parce que moi je vais tourner certainement l'épisode d'affilée, et on va travailler sur les quarries. Parce que cet épisode-là, il faut vraiment le faire. Je vous ai montré très très brièvement tout ce qu'il fallait faire pour faire des quarries, mais là je vais amplifier la production, donc je veux vous montrer tout ça avant de vous montrer le claquement. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire, à vous abonner. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes heureux. Oh, c'est joli comme dicton.
Que vous dire d'autre? Bah écoutez, je continue l'enregistrement des vidéos. Je vais démarrer certainement, pas certainement d'ailleurs, c'est sûr, une nouvelle série en let's play sur un jeu. Alors je vous laisse la surprise, mais je vous encourage vivement, même si vous ne le connaissez pas, à regarder, parce que il m'a énormément surpris. Je l'ai découvert par un youtubeur anglophone. Ce jeu m'a énormément surpris. Il est très simple, pas cher, très marrant, et j'ai beaucoup déliré. Donc il ne sera pas en coop, puisque c'est un jeu solo. Mais c'est un jeu vraiment que moi j'ai adoré. Donc je vous encourage à regarder les épisodes du Let's Play que je vais mettre en place, que je vais tourner aujourd'hui. Donc à mon avis, vous allez les avoir dans la foulée de cet épisode-ci. Et en tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à Elessar, vous salue bien bas. Au revoir!